Ah, vous êtes là, bienvenue à vous tous, chers viewers, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un produit qui m'a été demandé de tester et d'unboxer, parce qu'il s'agit d'un unboxing. Voilà, on va faire cette petite vidéo, format inédit, hein, ça vous plaît ou pas? À refaire ou pas, chers viewers, vous me le direz dans les commentaires, puisque maintenant je suis un YouTuber. Bon, je suis équipé, hein, n'ayez pas peur. T'as peur, toi, derrière ton écran, là, t'as peur que je te... Non, il va rien se passer, bien sûr, c'est friendly ici, on est très gentil, très bienveillant. Vous le voyez à l'image, le Starlink. Alors, il m'a été livré en trois colis. Ça m'a été livré directement. Merci, on le remercie d'ailleurs s'il nous regarde. Elon Musk. Thank you so much, Elon Musk. How are you doing? J'espère qu'il va me libérer. En trois colis. Bon, là, on a une boîte, mais j'ai déjà déballé, les gars. Ne vous en faites pas, c'était rien. C'est simplement, tout simplement, la connexion Ethernet. Vous voyez là? Voilà, regardez. Là, est-ce que tu sais reconnaître une prise Ethernet? Donc ça va nous permettre de relier directement le produit Starlink. Alors derrière Starlink, tiens, rapidement, parce que vous vous demandez, c'est quoi Starlink, s'il dit Starlink? Starlink, c'est très simple, c'est un fournisseur d'accès à Internet par satellite. Alors, vous allez me dire, ouais, mais un satellite, 600 ping, comprends pas, j'arrive, je touche rien. Non, c'est juste que t'es naze. Mais par contre, l'avantage avec Starlink, cette fois-ci, les satellites sont en orbite basse, donc temps de latence réduit. Donc on est sur du temps de latence entre 20 et 50 ms, voilà, c'est ce qui est annoncé. Donc on va le vérifier nous-mêmes, puisque voilà, on va l'installer en haut, enfin sur le toit. Alors l'idéal, ça serait de l'installer dans un endroit très dégagé. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'immeubles, d'arbres autour. Voilà. En tout cas, si vous le recevez, faites très attention à ça, sinon vous allez avoir des perturbations, vous ne serez pas en début max. Voilà. Allez, donc trois colis. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas envoyé en un seul colis, ça met un peu de temps. Mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, profitez-en, hein, s'il y en a qui veulent tester ça, vous avez la possibilité de le tester pour 1 euro pour les 30 jours. Et ensuite, si vous voulez les ramener, ramener tout le matériel, normalement, vous ne serez pas facturé. Enfin, je l'espère, Elon Musk, t'es pas à ça prêt, hein? Je suis brillant. Bon, là, vous le voyez, ici, ce produit-là. Alors, je vais l'ouvrir en même temps. Celui-là, alors, c'est très simple. Celui-là, c'est tout simplement le modem, voilà, le modem Wi-Fi. Voilà, la connexion Wi-Fi, vous allez installer ça dans votre salon. Voilà, on est bien ici, on est très très bien installé. Et je sais pas si on peut faire un gros plan ici. Est-ce que tu peux t'approcher, jeune Padawan? Voilà, donc ça vous l'installez à la maison et ensuite vous reliez votre Starlink qui se mettra sur le toit. Et vous pouvez aussi directement brancher votre câble Ethernet directement sur ce modem. On va regarder. Rapproche-toi, mets la caméra au-dessus. Voilà, donc là c'est composé d'une notice. Ça c'est encore une notice. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ce produit, il est magnifique, non, regardez. SpaceX, ça c'est les belles images, je suis bouillant. Et avec bien sûr le câble pour le connecter à l'électricité. L'électricité c'est important, voilà. On en manque un peu en plus d'ailleurs. Allez, là on va procéder bien sûr au plus gros du gros, l'antenne satellite. Donc ça on va laisser de côté. Ça aussi. Ah, ça aussi. Et voilà la bête. Comment ça s'ouvre? On va essayer. Ah, regardez les coups de quête, les coups de quête! Brichien! T'es en train de faire du zooming là, non? Mais c'est pas grave. Ça peut les intéresser. Alors comment? Ah, il y a un sens. Je galère un peu. N'hésite pas à filmer d'en haut, hein, pour qu'on puisse voir en temps réel ce qui se passe, même si je galère. J'ai pas envie de déchirer tout le matos parce que si je suis pas satisfait ou si c'est pété, bon, on va devoir le rendre. C'est même Californie, regardez. Je vous fous pas de ma gueule, regarde. SpaceX, USA, California. Ah, il y avait bien un sens, chers viewers. Hop, on va le mettre là. Hop, et là, on débalaxe. Wouah! Ils sont où los dollars? Raboulé! Wouh! Enfin, je suppose que c'est le pied, le support, hein, auquel on va installer directement l'antenne satellite. Et voilà, regardez, ça se présente comme ça. C'est pas magnifique? Ça, c'est pour la miniature. Chibouille, hein. Et derrière, on va terminer quand même l'unboxing, parce que vous êtes là pour ça, chers viewers. Oh, double modem! Double modem, merci, c'est bien. Très très bien, ça. Et ce long câble, alors je sais pas combien de mètres il fait, on verra tout ça. Allez, on se retrouve pour l'installation, on va mettre ça sur le toit
Et après, on fera un essai au niveau un speed test pour regarder un peu ce qu'il en est au niveau des. C'est ça qui vous intéresse, c'est ça, hein, hein. C'est ça qui vous intéresse, le débit montant et le débit descendant. Et le ping, c'est les ping. Allez, zou. Regardez. Et ça fait spa, hein, sous mon poids, hein, les détracteurs. Alors que là, comme vous voyez, on est en face de notre satellite. Je ne l'ai toujours pas mis en route, mais comme vous pouvez le remarquer, il n'y a rien autour. Il n'y a rien autour, ça c'est très très important. Il ne faut pas qu'il y ait de perturbation, d'interférence pour qu'on capte bien les satellites en orbite. Est-ce que c'est bien compris? Regardez, voilà. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Tiens, mettez-moi une note sur ce câble management, chers viewers. J'espère qu'il vous fait plaisir. Donc ce câble-là, il va directement, il est relié à l'antenne satellite, qui ensuite, via un système de poulie rotatif, voilà, où sort directement le câble RJ45 qui va être relié à mon ordinateur. Et ça, c'est directement connecté au routeur. Voilà pour ce qui est de l'installation. Et là, vous le voyez, voilà, c'est branché à une prise secteur. Ça vous va? C'est bon? Bien expliqué? Allez, ça dégage. Allez, clou du spectacle. Maintenant, on va voir ce que ça vaut. On va faire un petit speed test. Suspense. 37 de ping. Pour l'instant, c'est... Bon, ça valait le coup d'installer ça sur le toit et de se recommander ça en direct des États-Unis. Tout ça pour avoir une connexion digne du Pakistan. Ne vous en faites pas, je suis aussi pakistanais. Ah, par contre, l'upload, on est bon. Ça pourra me permettre de streamer. Par contre, regarder les vidéos 4K sur YouTube, bah là, c'est mal barré, les gars, je vous le dis. Bon, peut-être qu'en ce moment, alors je tiens à préciser que actuellement là où je suis là, en région parisienne, c'est très nuageux et il pleut. Peut-être qu'il y a une raison. Justement à ça. C'est une raison à ça. Mais on verra. On verra. Bon, quant à nous, comment on retourne la caméra? Bon, je suis assez satisfait de l'upload, mais au niveau du download, bof, hein, je m'attendais à quand même à beaucoup mieux. Bon, ce n'est pas grave, hein. De toute façon, vous êtes censé savoir que là, oui, ceux qui me regardent, parce que oui, il y en a qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas au courant aussi que je fais des lives tous les soirs sur YouTube, donc mettez-vous à jour, lâchez des likes, ça c'est très très important, bande de petites pubs. Donc, bon, au niveau de l'upload, ça devrait le faire pour le stream, enfin j'espère, faut-il encore que la connexion soit stable, on verra. Je tiens à préciser d'ailleurs pour cet essai, hein, pour ce crash test, moi je suis en région parisienne, et là actuellement, il faisait un sale temps, hein. Très très gris, très nuageux, et il pleuvait, peut-être une raison à ce débit de merde. Bon, on verra. Ah, bonjour à tous, chers viewers. Nous sommes le lendemain de l'unboxing. Comme vous le remarquez, nous avons affaire à un jour ensoleillé, ciel dégagé, pas de nuages à l'horizon. Donc, je pense que cela va changer la donne. Nous allons procéder tout de suite à un nouveau speed test. Hein. Vous attendez que ça? Ah, je sais. Regarde la vidéo. Alors, c'est parti. Déjà le ping très satisfaisant. Au niveau de la vitesse! Mais c'est incroyable au niveau de la vitesse! Au niveau de la vitesse! C'est un world record! C'est un world record! On va peut-être taper les 300! Je rappelle que c'est une connexion satellite. Nous sommes littéralement satellisés! Satellisés! Et au niveau de l'upload, c'est parfait les gars! Plus de 20! Presque 30! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces vitesses? Je n'ai jamais vu ça en 30 ans d'expérience dans le monde de l'Internet. C'est absolument fabuleux. Donc vous le voyez, hein, avec des conditions favorables, les vitesses que vous pouvez avoir. Donc j'imagine même pas ceux qui sont reclus dans la campagne, dans les montagnes. C'est la solution. Hein, voilà, bah, franchement, c'est la solution. En tout cas, ça a été un plaisir de mener voilà, ce crash test avec vous, chers viewers. On se donne rendez-vous très prochainement, peut-être pour une nouvelle vidéo. Là où l'on procédera à des essais in-game. Vous avez l'occasion aussi de me voir, de me suivre en live sur YouTube tous les soirs, hein, avec cette connexion pendant quelques temps, hein, et pour voir où on peut aller avec Starlink. C'est tout pour moi, votre reporter Iri. Lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo, hein, si ça vous a plu, et abonnez-vous, très important. Je suis bouillant. Ah, je suis en direct. Ou plutôt en live vidéo. Non, mais...